on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un update lecture. Un petit peu nouveau format entre guillemets puisque je vais essayer maintenant de vous faire des updates lecture où je vous parle de trois romans. Exception entre guillemets aujourd'hui puisque dans ces trois romans il y a une duologie donc ça fait quatre romans. Mais sinon on va essayer de faire un format un petit peu plus court. Histoire peut-être d'en avoir plus régulièrement suivant mon rythme de lecture. En tout cas d'avoir des vidéos un peu plus courtes de manière plus régulière. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, par avance, veuillez m'excuser si ma voix déraille un peu aujourd'hui. Petit tracas de l'hiver, hein, je suis un poil enrhumée, la gorge un petit peu prise et du coup, bah, parfois, ça tient pas la route jusqu'au bout. J'espère globalement quand même que ça va le faire pour aujourd'hui. On commence avec le premier roman dont je veux vous parler. C'est le tome 4 de Infinite Love, intitulé « Nos infinies insomnies » de Alfreda Envy. Comme vous le savez, j'aime beaucoup cette saga depuis le début. Les trois premiers tomes ont été à chaque fois de très très bonnes lectures et du coup j'avais vraiment hâte de me plonger dans ce quatrième tome. On retrouve ici Lévi qui fuit sa maison, sa famille, sa ville, sa vie pour partir vivre dans une autre ville où elle va commencer des études à la fac. Et dans le taxi qui l'emmène dans sa nouvelle résidence, un jeune homme va faire irruption dans le taxi. D'un seul coup, il ouvre la porte, il rentre dans le taxi. Or, ce jeune homme est complètement abîmé. On voit qu'il s'est battu. Il n'a pas l'air très, très, on va dire, réveillé. Enfin, le chauffeur de taxi trouve qu'il fait un petit peu stone. Du coup, le met dehors du taxi. Et Lévi s'offusque vraiment de ça parce que pour elle, elle voit un homme blessé qui a besoin d'aide. Elle se fâche avec le chauffeur de taxi et elle sort elle aussi du taxi pour voir un petit peu ce qui se passe pour ce jeune homme. Ce jeune homme, c'est Delsine. Lévi va un petit peu s'occuper de lui. Elle sort de son sac une trousse à pharmacie et elle prend un petit peu soin de lui. Cette rencontre est vraiment très étrange. Lévi, qui est d'habitude hyper introverti, hyper timide, ne se reconnaît pas dans l'aide qu'elle apporte à ce jeune homme. Mais bon, elle ne le connaît pas. Et donc, ils se séparent après ce moment-là. Elle se dit qu'elle ne le reverra jamais. Or, le lendemain, alors qu'elle arrive à la fac, sur qui elle tombe? Sur le fameux Delsine, tout souriant, qui ne la laisse bien évidemment pas de glace. Et on va suivre donc leur histoire à tous les deux. Histoire d'insomniaque, puisque Lévi et Delsine sont tous les deux insomniaques et donc veulent se retrouver la nuit et on va apprendre à les découvrir tous les deux et à découvrir leur histoire. Ce quatrième tome est pour moi et pour la première fois une petite déception. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les personnages de ce quatrième tome n'ont strictement rien à voir avec la bande de copains qu'on avait dans les trois premiers tomes. Du coup, pour moi, dans la saga, ça crée une fracture. Je ne sais pas si les tomes suivants vont être en rapport avec Lévi et Delsine, sans doute, j'imagine. Mais je trouve dommage qu'il y ait cette fracture dans la saga. Pour moi du coup limite c'est presque deux sagas séparées, même si on garde toujours cette notion de personnages qui ont souffert comme dans les trois premiers tomes. Voilà, ça m'a été, pour moi ça a été un petit bémol. Je m'étais beaucoup attachée à la bande de copains qu'on avait dans les trois premiers tomes et du coup j'avais vraiment envie de les retrouver et pour moi ça a été une première déception. Le deuxième petit bémol, c'est que ces deux personnages, les deux, ont vraiment un lourd passif. Et du coup, je l'avoue, pour moi, ça amène un petit peu un manque de crédibilité. Autant dans les romances, quand un des deux personnages a vraiment souffert et que l'autre, on va dire, a eu un passé classique, entre guillemets, ça reste crédible. Là, les deux ont vraiment souffert. Ils en ont chié quand même. Tous les deux, ils en ont vraiment, vraiment chié. Du coup, ça casse un petit peu cette crédibilité quand même. Comme à chaque fois dans cette saga, on aborde des sujets compliqués dans ce quatrième tome. Vraiment très compliqués. Autant le passé,
le sujet abordé autour de Lévi, je l'ai vu venir parce que je pense que c'est une volonté aussi de l'auteur de nous le faire comprendre un petit peu au fur et à mesure. Autant le passé de Delsine, j'ai fait oh my god, c'est poussé à l'extrême, peut-être un petit peu trop, mais quel lourd sujet abordé ici, quel oui, vraiment, c'est hyper compliqué. C'est quand même bien abordé. Je trouve qu'on ressent vraiment la souffrance de tout ça, la noirceur de tout ça. Du coup, oui, c'est bien abordé. C'est peut-être un chouï poussé à l'extrême. Une fin un peu loufoque. Je dirais pas loufoque, mais une bonne fin, ok, mais trop abracadabrante. Il y en a trop dans ce livre. Si j'ai bien compris, ce roman a été écrit avant les trois premiers tomes. L'auteur l'avait écrit avant, il est sorti après. Mais du coup, est-ce qu'elle a pas trop voulu en mettre dans un seul roman? J'en sais rien. Voilà, c'est un tout petit bémol que moi, ce roman. Je vais continuer cette saga parce que j'ai envie de savoir si je ne me trompe pas. Alors, pas le cinquième, mais le sixième tome sera un MM. J'espère que je ne me trompe pas. Au cas où, sinon, commentez et dites que je dis des bêtises. Mais si je ne me trompe pas, le sixième tome sera un MM. Donc, du coup, j'ai aussi envie de voir ce que va donner la plume d'Alfreda sur un MM. Mais là, je l'avoue, sur celui-là, le quatrième tome est un petit bémol. J'ai ensuite lu Saving Her et Saving Us de Corinne Michaels. Je vais donc vous parler de la duologie ensemble, sans vous spoiler. J'espère que je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Sinon, on coupera au montage. Mais voilà, j'ai lu les deux romans l'un à la suite de l'autre parce que j'étais à la maison à ce moment-là, j'étais en arrêt et que j'avais envie de savoir à la fin du tome 1 ce qui se passait dans le tome 2. Du coup, je les ai enchaînés, chose très rare chez moi. On retrouve ici Nathalie qui est enceinte et qui est mariée à un militaire, Aaron. Et Aaron part en mission et va être tué lors de cette mission. Et donc ce que Nathalie craignait le plus au monde va se produire. Un soir, on frappe à sa porte et on vient lui annoncer le décès de son mari. Pour Nathalie, à ce moment-là, tout s'écroule, tout n'a plus aucun sens. Seule sa fille, qui va naître quelques semaines plus tard, va l'aider à surmonter cette dure épreuve. Elle n'a plus envie de sourire, elle n'a plus envie de sortir, elle n'a plus envie de profiter, de s'amuser. Elle survit pour sa fille. Liam, qui est le meilleur ami d'Aaron, voyant ça, décide de l'aider et va tout doucement l'aider à remonter la pente. Ils vont passer énormément de temps ensemble, Nathalie et Liam, et doucement, l'un et l'autre ressentent quelque chose pour l'autre et essayent de lutter contre ce sentiment qu'ils imaginent ou qu'ils ressentent comme presque interdit. Mais voilà, ils ne vont pas forcément lutter longtemps et donc on va suivre un petit peu leur histoire à tous les deux autour de ce deuil, autour de la reconstruction après un deuil. Je vais déjà vous parler de mon ressenti sur le tome 1. J'ai passé un très bon moment de lecture sur ce tome 1. On se laisse très très vite emporter par l'histoire de Nathalie et Liam. Personnellement, Nathalie m'a touchée dans ce tome 1 parce qu'elle vit quelque chose de pas facile. Elle tente de se reconstruire, même si à la lecture je me dis que la reconstruction ne doit pas être la même pour tout le monde et je ne suis pas sûre que les phases par lesquelles elle passe auraient été les mêmes que celles par lesquelles moi je serais passée si ça m'arrivait. Et ça reste une bonne lecture. On ne sort pas des sentiers battus. On reste dans le schéma classique de la romance, mais ça sait se lire, c'est sympa, c'est oui, ça, c'est assez addictif, donc on tourne les pages et on veut savoir. Bien évidemment, vous en avez entendu parler peut-être, la fin est juste hallucinante. Alors, personnellement, je ne l'ai pas vu venir, je vous explique pourquoi. J'en avais discuté avec Aurore et Alicia, toutes les deux m'avaient dit.
Oh, la fin, c'est juste un truc de malade, mais je l'ai vu venir avec quelques bricoles qui avaient été clairsemées par-ci par-là. Et du coup, quand moi j'ai lu, j'ai cherché ces bricoles, et du coup, je pense qu'à force de trop les chercher, je les ai loupées. Bref, c'est pas grave, ça m'a plu d'avoir cette fin-là. Pourtant, je crois que j'ai déjà lu un roman qui se finit comme ça. Je ne pourrais pas vous dire le titre parce que malheureusement il ne m'a pas marqué et que j'ai pas recherché. Mais voilà, du coup, ben, à la fin du tome 1, je me suis dit, waouh, j'ai envie de continuer. Et donc j'ai lu Saving Us, le tome 2, qui pour le coup, pour moi, a été une déception. Je vous explique pourquoi. On a, certes, bon, on est dans la continuité de l'histoire, on a des réponses, mais déjà on a des réponses très vite. Trop vite. Et du coup, bah, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir des réponses si vite à toutes nos questions. Et parce que, pour moi, l'auteur a choisi la facilité. Vraiment, elle ne pouvait pas prendre le chemin le plus facile. Un autre chemin, c'est vraiment le chemin le plus facile qu'elle a choisi. Et j'avoue, je trouve ça hyper dommage. Elle tenait un truc qu'elle aurait pu vraiment rendre beaucoup plus tordu. Enfin, choisir un autre schéma et prendre une autre direction qui fait qu'on aurait eu quelque chose de plus fort en intensité. C'est mon ressenti. Du coup, le tome 2 est un tome hyper prévisible parce qu'on a nos réponses vite. On voit vite qu'elle choisit le chemin le plus facile dans le dénouement, mais on le voit assez vite arriver. Le coup de Trafalgar aurait été qu'elle aurait pu choisir autre chose et du coup on aurait été hyper surpris. Ce n'est pas le cas. Donc c'est hyper prévisible. On devine assez vite comment ça va se finir. Ok, c'est sympa parce que voilà, on se sent bien quand on a lu, machin. Voilà, le fait qu'elle ait choisi cette facilité fait que ben ça m'a moyennement plu et j'ai été un poil déçue par ce tome 2. Après cette duologie de romance, j'avais envie de passer à autre chose et j'ai eu la chance d'avoir en service presse sur la plateforme Netgalley le roman, le thriller, Ceux qui te mentent de Nue à la Elwood. Chez Michel Lafon, que donc je remercie Netgalley et Michel Lafon de ce service presse. Je remercie aussi Séverine de Il est bien ce livre parce que c'est aussi grâce à elle que j'ai demandé ce service presse. Elle en a tellement parlé avec engouement, émotion, que j'ai eu envie de le lire et de découvrir cette histoire. On a ici Kate et Sally, qui sont deux sœurs qui ont perdu leur petit frère alors qu'il était enfant et qu'elle aussi était enfant. Il est mort noyé sous leurs yeux. Et suite à ce drame, leur famille a changé, n'a plus été la même. Surtout leur père qui est devenu violent verbalement et physiquement vis-à-vis de leur mère. Et devant leurs yeux à elles toutes les deux. Aujourd'hui, Kate et Sally sont des adultes. Elles sont très très éloignées. Elles se sont éloignées parce qu'il y a eu beaucoup de disputes entre elles et beaucoup de tensions aussi. Kate est un grand reporter de guerre. Elle revient d'Alep en Syrie où elle a fait un reportage très très compliqué. Elle revient suite au décès de sa maman et donc pour s'occuper, on va dire, de la succession, elle revient dans leur ville natale où vit encore Sally. Et Kate revient très traumatisée de son reportage à Alep puisque un petit garçon est décédé devant elle dans ses bras. Et elle est complètement traumatisée par rapport à ça. Elle prend des psychotropes, elle boit un petit peu. Du coup, elle a des hallucinations, que ça soit auditive, visuelle. Elle est vraiment très traumatisée par le décès de ce petit garçon. Et du coup, elle arrive dans la maison de sa mère, donc pour gérer donc la succession suite au décès de sa maman. Et on va découvrir et vivre avec Kate toutes les hallucinations
qu'elle a avec des apparitions bizarres en plein milieu de la nuit où elle voit, elle revoit ce petit garçon mort à Alep et ce genre de choses. Je m'arrête là pour le résumé parce que faut pas trop en dire, mais juste j'ai adoré ce roman. Vraiment, ça a été une grosse, grosse claque pour moi. C'est vraiment un coup de cœur que ce thriller, vraiment. Enfin, on est dans quelque chose de très, très, très psychologique, mais qui vous tient en haleine tout le long du roman. On a dans ce roman plusieurs suspens, et on pourrait penser que ça en fait trop, mais l'auteur réussit à les mettre en parallèle pour ensuite arriver à les regrouper, et c'est juste un truc de malade. On a l'histoire de ce petit frère qui s'est noyé, mais quand même, ça reste un petit peu flou. On a l'histoire de ce petit garçon à Alep, et du coup, toutes les hallucinations que fait Kate semblent assez compliquées. On a la tension entre Kate et Sally autour d'un sujet très important. Et voilà. Et donc tous ces suspens vous mettent en haleine et vous tout le long du roman. Et c'est juste un truc de ouf. Comme je vous le disais, on est dans un roman psychologique. On est beaucoup dans la tête de Kate au début du roman. Et du coup, on souffre avec elle. Kate, elle souffre vraiment. Elle est vraiment traumatisée par ce qu'elle a vécu récemment à Alep. Elle est torturée par rapport à tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle semble entendre, tout ce qu'elle semble voir. On la voit parfois boire et ne pas toujours comprendre ce qui se passe. On est vraiment centré sur elle, centré sur tout ce qu'elle ressent. On souffre beaucoup avec elle. On est un petit peu dans. Ça vous enveloppe. La noirceur du roman vous enveloppe. Et on est là-dedans avec elle. Et c'est vraiment très, très réussi de la part de l'auteur. En plein milieu du roman, on se prend un truc de malade. Une révélation. Et j'ai en tête la vidéo de Séverine qui disait: Je défie quiconque de découvrir et de deviner ce twist en plein milieu du roman. Elle a raison, c'est juste impossible. C'est une grosse, grosse claque en plein milieu du roman qui vous retourne la tête, qui vous, du coup, rebooste et vous remet en haleine alors qu'il n'y en avait pas forcément besoin, mais c'est juste un truc de malade d'avoir ce truc à ce moment-là, de découvrir et de voir à quel point tout va s'imbriquer, tout va s'expliquer. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je ne sais pas quoi vous en dire. Je vous conseille vraiment de le lire. On est là dans un gros roman psychologique. Il y a beaucoup de suspense. Il y a très peu d'action. Attention, on n'est pas dans un roman policier où ça va tuer à tout va. On est vraiment autour de la psychologie avec ce suspense, avec cette ambiance très... oui, énigmatique pour essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai adoré ce roman. Ça a été vraiment une grosse, grosse découverte que cette histoire. Je ne peux que vous encourager à le lire. Il est vraiment très, très bien. Si vous aimez tout ce qui est roman psychologique, je vous dis une chose, foncez sur ce roman. Ça en est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'ai lu d'autres romans après ces romans-là, mais comme je vous le disais en début de vidéo, je vais essayer de faire des updates lecture un tout petit peu plus courts. En tout cas, voilà, faire une cadence de 3 romans par update lecture, 3 histoires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures, de très belles vacances si vous avez la chance d'en avoir. Pour moi, c'est pas encore pour le moment. Du coup, ben. On essaie quand même de profiter de tout ça. Un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!